Ça y est. Bah alors. Top. J'ai la garde. Carrément, il était minable, je te jure. Et le fric? Bah, ce qu'il faut. Royal. C'est-à-dire? 1000 euros. Ah bah super. Ouais, je suis super contente. Pourquoi tu pleures? Mais je pleure. Non. Non, c'est con. C'est juste ça me remonte comme ça, mais je te jure, ça va super bien. Bah, fallait le faire, ça. Ah, je suis conne. Je pleure par principe. Voilà, ça y est, c'est fini, je pleure plus. Eh ben, c'est bien. Moi, je trouve que c'est très bien. Ouais, c'est bien. Je suis soulagée, c'est fait, voilà. Ça passe super vite. Le quoi? Le moment? Le moment où tu te détaches, en fait. Et ça t'a ému? Un peu, mais finalement pas tellement, tu vois. Et j'ai chopé une nana tout à l'heure, j'ai fait embarquer, comportement hyper bizarre avec les gosses. On y va, on va l'entendre, là, j'ai envie de me la faire, la meuf. Oh non, s'il te plaît, une nana avec les gosses, moi je me sens pas trop. Mais si, ça va te changer les idées. Je veux pas plutôt on se fait un viol ou un viol en réunion, un truc plus cool pour moi. Allez, viens. Et comment vous expliquez que votre premier enfant, il a toujours été calme le soir, à la tombée de la nuit, là, et pas le deuxième? Est-ce que vous les élevez différemment? Oui. C'est-à-dire? En fait, le petit, je le branle pas tous les soirs, c'est pour ça. Parce que l'assistante sociale, elle m'a dit que c'était pas bien. Donc, Le petit, vous le branlez pas tous les soirs parce que l'assistante sociale vous a dit que c'était pas bien? Ouais, elle m'a dit que c'était pas bien, donc j'ai arrêté, mais... C'est un peu con, parce que le grand, il y avait que ça qui marchait, quoi. Je faisais une petite branlette... Des petites fellations. Mais les branlettes, en général, en 2 secondes, ils dormaient. Et du coup, le soir, quand votre mari rentre à la maison et qu'il est un peu énervé, vous lui donnez sa totote? Non, je... Est-ce que vous réalisez un petit peu ce que vous dites, madame? Madame Leclerc? Est-ce que vous réalisez que ce que vous faites sur vos enfants, ça s'appelle du viol? Non.